Même le joueur, il reprend sa respiration, dis donc. Oh, le monstre, attentif. Oh, il est magnifique. Eh bien, salut à vous tous et toutes, j'espère que ça va, que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Hunter Call of the Wild. Là, cette fois-ci, on va faire une chasse. On va voir tout simplement au total 4 Great One. Donc, deux différents. Voilà, il y a le troisième que je n'arrive pas à faire. Je l'ai observé une fois. C'est le Serelaf et je n'arrive pas à y remettre la main dessus. Bref. On y va tout de suite déjà pour voir le premier. Regardez s'il n'est pas magnifique. Regardez s'il n'est pas beau. Pas envie de le louper. Même le joueur, il reprend sa respiration, dis donc. Il est mort. Oh putain. Là, j'y crois pas. Chaud là. Je viens de buter le Great One. J'y crois pas. Oh, j'ai mis du temps avant de tirer, dis donc. Wow. Le voilà. Voilà la bête. Le fameux Great One. Magnifique. Impeccable. Ah, il est super. Oh putain, qu'est-ce qu'il est beau. Ouf, puis là, fallait pas. Ah ouais. Là, je suis refait là. Et puis là, là. Là, je crois que vous devez le sentir là quand même. Je suis. Ah, génial, quoi. Bon, ben là, voilà. J'ai eu la bête. Je vais me remettre de mes émotions. Pouf! Le bébé, quoi. Bon, ben voilà, les gens. Il m'en reste normalement un ou deux à avoir. Si mes souvenirs sont bons. Mais j'en ai enfin tombé un. Hein. Je pensais vraiment que j'y arriverais jamais. Je vais vous montrer en volant paillé, bien sûr, on n'est pas fou. Tu m'étonnes, ouais. Accepté. Ouf, oh le soulagement, toi. Donc là, ici dans ce coin-là, j'étais en train de tranquille, en train de me balader, d'essayer de refaire la map. Et c'est là que j'ai vu cette bébête. J'ai eu la bête. Oh bah écoutez, maintenant qu'il est empaillé, ah bah je suis refait.
Pour en chercher d'autres. Oh, c'est de là-bas, là. Ça, c'est de la bombe. Ah, tu l'as dit, ma couille. Putain. Ah, excusez-moi, mais là. Ouf. Ah, je suis refait. Voilà, comme vous voyez. Pas mal m'ont suivi. Il y en a une qui m'a suivi d'ailleurs de très près. Pas hésiter à mettre du spray. Me faire soulever là, non? Je crois que le spray. Non, non. Reste. La tête baissée, ça pue, ça. Agressif. Bon, ben tant pis. Ça m'a fait rater mon coup. Peut-être qu'il était dans le tas. Je vous montrerai à peu près trois zones où je pense qu'ils spawnent, où je les ai vus déjà. Enfin, j'en ai tué un, comme vous l'avez vu juste avant. Il y en a un deuxième que j'ai repéré, mais j'ai pas eu le temps de le buter. J'étais pas en bonne position, et puis il s'est barré. Et je doute un troisième spot, mais je le teste. Là, j'ai fait juste de me faire embrocher, tranquille. Voilà mon bébé. Mon bébé s'est éteint. Alors, je l'attendais, hein. J'étais patient. Tac, le brouillard, ça fait vraiment chelou, quoi. Regardez, il est bien là. Magnifique Gretwen. Bon, je sais pas si. Ouais, j'irais bien. Donc voilà. Le deuxième bébé. Magnifique. Ils sont magnifiques. Et le seul qui me manque, comme je vous dis, c'est ce fameux. Comment? Parce que ça, c'est le cerf du Virginie, mais c'est le Cérélaphe. Je n'arrive pas à le trouver. C'est impressionnant. Je vais essayer d'en faire un autre. J'en suis pas sûr. On verra. Il y a peut-être un spot qui. Je sais pas. Mais en fait, il faut suivre sur la carte les traits. Comment dire, les traits quand ils se nourrissent, tout ça, pour pouvoir en fait les intercepter. Sinon, vous ne les aurez jamais. C'est assez compliqué. Il faut savoir aussi quand ils sont sur la map ou pas. Viens, mon beau. Viens. Viens. Allez. Oui, t'es beau, viens là. Ouais, merde. Normalement, il va jamais bien loin. J'aurais dû rester couché. Il est là, il est là. Mais deux fois que tu me fais le coup. Compliqué celui-là. Hein? Bien sûr, à cette petite boîte, mais n'hésitez pas aussi à prendre ceci. Hein? Il y a un bordel dans cette jungle. Voilà. De toute façon, si vous le perdez, enfin moi je le suis légèrement, mais si vous le perdez, normalement il reviendra. Pardon, il reviendra au point de départ, là où vous l'avez trouvé au début. Donc vous entêtez pas, vous attendez, ça va prendre peut-être 5 minutes maximum, mais il va faire demi-tour et revenir à son point.
Regardez ce que je vous disais. Regardez ça. Il y en a une qui passe, il va pas être bien loin. C'est pas lui. C'est lui. Il est nerveux. On peut pas le tirer là. Et voilà. C'est fini pour toi, mon grand. Bon, ben là, j'ai assez bossé là-dessus. Hein. Encore de magnifiques bois. Ils l'ont vraiment bien fait, quoi. Il est magnifique. Voilà. Omoplate droit, je vais pas toucher le cœur à lui. Non. Bref, j'ai mis un bon shoot. Sur ce, maintenant, on va passer à l'élan. Le brame de la bestiole. Ouais, pas bien grave. Putain! Oh, c'est le légendaire. Oh, le monstre, attentif. Oh, il est magnifique. Attendez. Regarde. On va remettre un peu de ça. Qui s'approche. Là, faut pas que je le loupe. On pourrait faire un petit face à face. Il est où? Merde. Chut. Chut. Oh non! Après ma mort, je suis revenu. Il est là. Pas qu'il s'avance un petit peu. J'espère qu'il n'y en a pas un autre qui va m'écraser la tronche. Dix. Je pourrais tirer de là. Je crois d'ailleurs que je vais tirer. Mais j'aurais vraiment aimé qu'il sorte un peu là. Ça risque d'être compliqué parce que je crois que j'en ai au cul. Allez, sort. Avance. Oh putain. Ah oui, t'es beau, allez, avance un peu. Oh, et quitte à le voir s'écrouler, j'ai pas envie de le voir s'écrouler dans le feuillage. Garder ma respiration et attendre un peu. Pour l'instant, il est calme. Va tranquille. Je vais flipper. Bon.
Ouais, je m'avance, que je commence à m'avancer un peu trop et commence à être attentif, ça c'est mauvais signe. Je vais devoir tirer. Allez, tranquille, Emile. Il s'est couché. Oh! C'est quoi ce délire? Comment me regarde elle? Quoi? Je vais me faire tuer deux fois, sa mère. Ouais, non, mais tu as pris une balle, toi. Ah, c'est dommage, on voit pas la totalité, quoi. Il a fallu qu'il tombe là-dedans. Ouais, imaginez ce qu'il a sur la tête, quoi. Et ben voilà, un deuxième monstre. Plein cœur. Ben voilà. En résumé, il m'en manque une affaire. Un ou deux, je sais plus. Mais ouais. Le mec qui tombe ailleurs, c'est vraiment dommage. Mais bon, moi je l'ai eu. Empaillé. Et voilà. Voilà, quand la femelle m'a buté, quoi. Regardez comment elle était en colère. La femelle m'a buté, j'ai cru que je la reverrais jamais. Maintenant, pour finir, ils étaient restés au même endroit. Mais quand vous faites un légendaire, ça vous fait un petit quelque chose quand même, hein? Ouf. Impeccable. Voilà, donc je suis paré. J'ai pris la 300. Et, bah écoutez, on va essayer de faire un autre élan, ou peut-être deux, avec un peu de chance. Allez, c'est parti. Donc là, pour l'élan, je ne sais pas si je vous ai dit, bien sûr. On va prendre le fameux spray, comme toujours. Et ceci, on va essayer de le localiser. Normalement, il doit se trouver dans ce coin. Après, bien sûr, ça dépend aussi les heures, hein. On voit que ça a répondu là-haut. Oui. Donc, il est possible que ça descende. Alors, c'est pas à 100% sûr que ce soit lui qui descende. Mais bon, on va voir. Écoutez, on va attendre un peu. Je suis équipé là. Pour l'instant, impossible de savoir où ils sont. Il m'a répondu tout à l'heure là-bas. Mais là. Alors est-ce que ça se déplace? Je ne sais pas du tout. On verra bien. Il est possible que je ne le trouve pas. Ou qu'il ne soit pas là, tout simplement. Reste tranquille, toi. Non. Eux, ils sont devenus super hargneux. Vous avez vu sa vidéo précédente, je me suis fait défoncer, quoi. Impeccable. Donc là, il y a des élans sur la position, on va dire. Non. Mais je vais mettre du spray et voir si jamais si jamais le légendaire est sur la map ou pas. Il est sur la map, il devrait venir par ici. S'il n'est pas là, ben il viendra pas.
Ouais, donc déjà on en voit un troisième qui apparaît. C'est parti ou l'autre? Merde. Ah bah elle est juste derrière le morceau de bois. Donc on va voir s'il y a papa qui arrive. Hein. Je vais pas recommencer. Non, elle se bouge. Ah, vigilant. Pas bon, ça. Vas-y, je vais me faire niquer par un coup doux. Ah, c'est pas le top là. Alors, il est 14 h. Il est devant moi. Le voilà. Attentif. Qui s'avance sur la glace, qu'on puisse prendre une belle photo. Prendre, pardon. Par contre, j'ai galéré, hein. Alors attendez. J'ai quoi dans les mains là? C'est ce que je voulais. Ah, regardez-moi ce pachyderme. Là, il est bien posté. Oh, la femelle, dégage! Va, casse-toi! Passe le caillou. Oh, putain! Ah, je me suis foutu dans la merde. Me faire piétiner. J'ai eu le mal. Magnifique. Pense qu'il est pas parti loin. Non, il est là. Alors on voit mieux ces bois. Avec la flotte derrière, impeccable. On va essayer de faire un truc. Peut sortir. Ok. Voilà le deuxième. Encore une sacrée bête. La tête à l'envers. Bon ben voilà, écoutez les gens, si vous avez des infos par contre sur le cerf élaphe, très franchement, je suis preneur parce que je le farme, mais je n'y arrive pas. Voilà. Bah écoutez, c'est ici qu'on se laisse. Je lui ai pas mis un cœur cette fois-ci. Non. Donc je le retente pas parce que, comme je vous dis, voilà. Et c'est assez long. Hein. Faut pas croire, vous allez pas le faire en 2 jours. Enfin, c'est assez merdique.
Bon, c'est ici qu'on se laisse. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Et je vous dis à très bientôt, les gens. Et surtout, prenez soin de vous. Allez, la bise. Ciao, 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 ciao. Et hop, il y a la bête. Et voilà. Terminé, Francis.